Allez, encore. Vas-y. Attrape celle-là. Envoie le ballon avec la tête. Vas-y. Vas-y. Envoie. 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 Encore. Encore. Assez. Oh. Mais t'es pas bien, toi. Oh, c'était un rêve. Oh, je sais que je vais passer une journée merveilleuse. Jeanne, vite, nous sommes attendus au gymnase. Vas-y, vas-y. Courage. Encore. Encore, allez. Me voici, vite en place. Attends, allez, encore, encore. Encore, et encore, et vas-y. Oh. Maintenant, Jeanne, il faut t'entraîner à recevoir les services. Oh, monsieur! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais m'entraîner pour les matchs. Et plus tard, Jeanne, car pour l'instant, tu dois te perfectionner à la réception, car c'est ton point faible. Mais pourtant... Jeanne, je t'en prie, fais ce qu'on te dit. D'accord. Allez, oui. Reprends, c'est ça, il est gentil. Oui. Entre ta balle. C'est ça, allez, encore un souci. Mais c'est n'importe quoi, enfin, regarde la balle. Oui. Non, pas moi, la balle. Oki. Ah, bonjour. Oki, il faudrait que tu me rendes un très grand service. Alors, tu voudrais que je t'entraîne à se matcher? C'est ça, oui, tu comprends, il faut quelqu'un qui m'envoie le ballon. Et la raison, c'était que cette zèle? Eh ben, voilà, on m'entraîne toute la journée à recevoir des services, et je ne fais rien d'autre. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de me perfectionner dans ma spécialité, qui est le smash. Comme je te comprends. C'est vrai? Oh, alors formidable, allons-y tout de suite sans perdre de temps. Elle s'entend bien avec ses nouvelles camarades. Je suis sûre qu'elle a plein d'amis. Attention, dégagez la piste. Oh, mais la voilà. Sunny et papa, excusez-moi, je vais revenir. Elle ne badine vraiment pas avec l'entraînement. Elle est courageuse. Hein? Attends voir. Si je t'attrape, tu vas comprendre. Nous trouvons bizarre leur entraînement. Mm-hmm. Ah. Ne t'occupe pas du filet et frappe de toutes tes forces. D'accord. Ici, le filet est plus haut que celui que tu avais à l'école moyenne. Mais ça n'est pas un handicap pour toi, car tu sautes très haut. Je suis prête. Hop! Attaque! Oh, envoie-moi le ballon. Ah? Vas-y, je vais te montrer. Tiens. Tu vois? C'est super! À l'école moyenne, il se trouve que moi aussi j'étais smatcheuse. Mais tu n'es plus receveuse avec les Sion Flatters. Eh oui. Et tu es contente de tenir ce rôle? Pour parler franchement, je ne suis pas très satisfaite. Mais il faut bien se soumettre aux exigences de son équipe. Pourtant, rien n'est plus formidable que de smatcher sur une balle. Ça, je suis d'accord. Bon, si tu veux bien, reprenons notre entraînement. Je vais être en pleine forme pour le tournoi des éliminatoires. Je suis sûre que c'est toi qui deviendras la smatcheuse titulaire. Tu crois? Oui, et c'est moi qui te ferai les passes. T'es sérieuse? Je te le promets. Bien, on y va. Vas-y. Attaque! Parfait. C'est grâce à ton entraînement, Oki. Comme elle est heureuse, dire que j'aurais dû être à sa place. Vas-y! 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 Durant le tournoi des éliminatoires, il faudra la remplacer. Par qui veux-tu la remplacer? Les meilleures smatcheuses de l'équipe sont actuellement Yogina et Jeanne. Il ne nous reste plus qu'à choisir entre les deux. Ah! Oh, magnifique! Mes professeurs me regardent. Je suis certaine qu'ils vont me choisir comme smatcheuse pour le tournoi des éliminatoires.
Nous allons assister au premier match des éliminatoires pour le championnat de Taga. Ce tournoi est réservé aux équipes juniors. Le match va commencer. Cette compétition a l'avantage de nous donner un aperçu de ce qui se passera en championnat. En effet, certaines équipes plus que d'autres en profitent pour mettre au point et tester leur technique de jeu. Nous allons profiter de ce match pour essayer sur le terrain ce que nous avons mis au point durant nos séances d'entraînement. C'est compris? Oui! Je veux un beau travail de défense. Rappelez-vous que la défense est ce qu'il y a de plus important dans ce jeu. C'est l'attaque la meilleure des défenses. Comme disait toujours Damon. Dans cette première rencontre, les Seven Flighters ont affronté l'équipe des Grands Chais. Les Seven Flighters ont rapidement écrasé leurs adversaires. Je ne joue pas. Oh oui, c'est bien triste. Demain, les Seven Flighters vont affronter les Sunlight. Le vainqueur ira en finale et l'autre devra se contenter de jouer dans des petits matchs minables. Tu crois que Jeanne jouera? Oh, j'espère. Eh bien sûr qu'elle jouera et nous la clamerons de toutes nos forces. Ouais, ouais. Ouais. Voici donc la rencontre tant attendue de ces éliminatoires. Les Sunlight affrontent les Seven Flighters. À quoi? Les Sunlight mènent la danse, dirigés à la perfection par leur chef d'orchestre. Le score est déjà de 8 à 2 en leur faveur. Les Sunlight vont attaquer à fond dans ce premier set. Jeanne, comme c'est triste qu'ils te gardent sur la touche. Je voudrais tellement t'avoir en face de moi. Là, ce serait une vraie compétition. Ta tête est en train de flancher. Je crois qu'il est temps de la remplacer. Oui, tu as raison. Vous m'avez appelé? Je suis prête, regardez. Yogina. On ne me donne jamais la chance de montrer ce que je sais faire. Quel dommage, c'est justement aujourd'hui où je suis en pleine forme. Les Seven Flighters n'arrivent pas à remonter. L'écart augmente entre les deux équipes. Ça va de plus en plus mal pour mon équipe. Je me demande ce qu'ils attendent, ces deux-là, pour me faire entrer sur le terrain. Yogina est extrêmement nerveuse. Allons un peu écouter ce qu'ils se disent. Bon, tu es d'accord? Oui, appelons-la. Jeanne, prépare-toi, tu y vas. Oui! Le deuxième set va commencer. Dans le premier, les Sunlight se sont nettement imposés, sans grande difficulté. Jeanne va enfin jouer. Cette fois, ce sont mes vrais débuts. Comme j'aimerais que Serge puisse me voir. C'est la première fois qu'elle joue dans une équipe de division. Bonne chance, ma fille. Jeanne! Décider. Il me fait signe de concentrer l'attaque sur la droite. Pourquoi ne veut-il pas que je lance sur Jeanne? Ce sont ses débuts. On ne peut pas prendre de risques. Comme prévu, Oki? Oui. J'ai... On y va! J'y suis, Oki! Le mur! On ne va pas compter sur elle. Bravo! Je te ferai toutes les passes pour que tu puisses matcher. Tu es sérieux? Je te le promets. Pourquoi? Mais qu'est-ce que je viens de faire? Je vais remédier moi-même aux erreurs de Jeanne.
qu'il nous prend. C'est un superbe smash de Kisamoto. Les Seven Fighters récupèrent le service. Bravo, Hoggy. Bravo. Vas-y. Bien joué. Mari Takigawa fait le mur toute seule. Il avait prévu une attaque. Oh, quelle défaite! Les Sunlight les ont battus par 3-7 à 0. Oh, c'est fichu pour la finale! Oui, oui. Oh là là! Oh. Il reste encore le match pour la troisième place. Espérons qu'elles gagneront au moins celui-là. S'ils ne laissent pas jouer Jeanne dès le début, elles auront du mal. Ah, ça c'est sûr. Ah, ben. Allez, on recommence, Ki. On se refait des passes. D'accord. Vas-y! Ah, oh, et puis non, ça suffit pour aujourd'hui. Étant donné que pendant les matchs, tu ne m'envoies aucune balle à se matcher, tu peux au moins me faire ce plaisir pendant l'entraînement, non? Tu sais bien que c'est le professeur qui a décidé ça. Oui, ok, je le sais. Je t'ai fait une promesse, non? Allez, fais-moi aussi des passes. Bon, d'accord. Tu es prête? Tu ne le sais pas encore, mais aussitôt après les éliminatoires, je vais te concurrencer. Je ne vais plus me contenter de te faire des passes. Vas-y! Faire des smatchs, c'est ça qui m'éclate. Les deux équipes se disputent actuellement la troisième place, comptant pour le championnat de la fédération. Les Seven Fighters dominent largement l'équipe Unicorn venue d'Osaka. Elles ont déjà gagné les deux premiers sets et elles ont déjà pris l'avantage dans cette troisième manche. Attends. Je ne pensais pas que je jouerais contre l'équipe de Peggy. Qu'est-ce qu'elle a fait comme progrès? Jeanne, te voir jouer avec les Seven Fighters me fait terriblement plaisir. Unicorn est très forte à la réception. Nous remarquons notamment les performances de Peggy Ayaz. Et nous voici à égalité dans le troisième set. Numéro 4 m'a l'air plutôt mal en point. On a donc nos chances. On tire sur elle. La numéro 4 des Seven Fighters, Taga Suzuki, n'a pas l'air très en forme. Je crois pour ma part qu'elle a quelque chose au genou droit. Je crois qu'il va falloir encore la remplacer. On fait jouer Yogina. Mais qu'est-ce que t'as? Oh, j'ai une crampe à la jambe. Ça te fait encore mal? Courage, ça va passer. On n'a plus le choix, Jeanne. Oui. Vas-y, Jeanne, montre-leur ce que tu sais faire. Meilleur ami dans l'autre camp. Une raison de plus pour me surpasser. Vas-y, à toi. Cette poche passe à Jeanne. À elle le smash. Jeanne. Oh, c'est nul. T'inquiète pas, c'est pas grave. Au smash! Non, je ne regarde pas à Yuki. À toi! J'ai! Oh! Là, c'est à moi de jouer. J'ai! Formidable reprise de Peggy Yaya! C'est un nouveau point pour l'Union! T'en mort! Ok, ce n'est pas à toi de smatcher. Pardon. On dirait que vous vous obstinez à faire le contraire de ce qu'on vous a appris. C'est décourageant. Vas-y, Jeanne! Vas-y, Jeanne! T'es la meilleure moi! À toi! Attaque! Mais qu'est-ce que je fiche encore? A qui a eu un avertissement à cause de moi? Maintenant, je suis déconcentrée. Bon, alors tu vas te réveiller. Si tu te sens responsable de ce qui vient de m'arriver, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de te mettre à bien jouer. D'accord. Il y a des dissensions dans l'équipe. Jeanne a l'air complètement perdue. Elle n'a pas changé, toujours aussi sensible. Oh, comme tu reçois bien, Peggy. Ce ballon est comme un miroir qui nous reflète. À nous de ne pas trahir cette image. Tu n'as qu'une chose à faire, te mettre à bien jouer. Bien sûr, c'est ça la règle du jeu. Se donner à fond et ne pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Oh, le ballon, je...
Je ne dois plus penser qu'au ballon. Jeanne. Très beau point grâce à une superbe passe d'Azuki. C'est une balle qu'elle est allée chercher très loin. Fantastique, exceptionnel. Jeanne, continue comme ça. T'as vu, Oki, cette fois j'ai mis le paquet. Ça m'est égal de ne pas pouvoir se matcher. Je vais donner mon maximum en défense et je te promets que tu ne seras pas déçu. Merci, Oki. Il n'y a pas de quoi. On doit toujours se rendre service. Non, je sais bien de quoi tu rêves. Tu voudrais prendre ma place de smatcheuse dans l'équipe. Et malgré ça, tu fais tout ce que tu peux pour m'aider. Je t'en remercie, Oki. Oh. Et moi, Jeanne, je te remercie pour ta franchise. À toi. Vas-y. Vas-y. Oki, c'est bien. Oki Samoto nous fait une démonstration brillante de son talent et l'on peut dire que c'est grâce à elle que les Seven Fighters mènent par 14 à 12. Première balle de match. Technique numéro 3, Jeanne, à toi de jouer. Pourquoi, Oki? Elles ne s'attendent pas à une attaque de seconde ligne. On va les prendre par surprise. Mais Oki... C'est moi le capitaine. Cette décision m'appartient. Ah Jeanne. Vas-y. Merci, Oki. Bravo Jeanne, t'as réussi, bravo Jeanne. Bravo Jeanne, c'est toi la meilleure. Bravo. Oh. Mais qu'est-ce que t'as, papa? T'es pas content? Ah, j'ai tout simplement oublié d'appuyer sur le déclic. Bravo Jeanne, les compliments. On a gagné. Vous m'avez fait une brillante démonstration, les filles. Mais ce qui est encore plus important, c'est que nous ayons mis en pratique les techniques qui vous serviront pour le championnat. Nous le gagnerons. Oui. À propos, Ok, j'ai entendu dire que tu souhaitais être smatcheuse pendant le championnat. J'y ai songé, mais j'ai décidé de m'en tenir à mon rôle. En es-tu sûre? Et pourquoi as-tu changé d'avis? En fait, je crois plutôt que c'est à Jeanne de tenir le rôle de smatcheuse dans l'équipe. C'est vrai? Oui, il est vraiment préférable que ce soit moi qui lui fasse les passes et non que ce soit le contraire. D'ailleurs, sans mes passes, la pauvre n'arriverait pas à grand-chose. Elles font une bonne équipe toutes les deux. C'est vrai. À toi! Oh, si Serge pouvait me voir à présent, je suis sûre qu'il serait très fier de moi. Maintenant, je sais ce que c'est que de jouer dans une équipe de série. Et je suis prête à vivre ma prochaine grande aventure, le championnat de la Fédération.